Ah, c'est bon. Alors que moi, c'est pas bon du tout. Tu parles d'un cliché, fin de vacances. Que tu n'aies même pas touché à tes devoirs avant hier soir, ça me déplaît. Chacun gère son temps comme il l'entend. Et j'imagine que certains ne gèrent rien du tout. C'est bon, je suis désolé. Ça va, je pense qu'il a retenu la leçon là. Et surtout, si vous faisiez une pause tous les jeunes là. Les jeunes. Oh les jeunes là, faites une pause là. Quelque chose à faire. Je laisse la boutique un moment. Le club a totalement intégré la kinesthésiologie en appliquant leur découverte. Bon, blablabla. En fait, on n'a pas parlé d'une athlète issue de notre lycée aux infos dernièrement. Une athlète, tu veux dire parler de la gymnaste? Ah, celle que tout le monde trouve super jolie. Ah ouais, Yoshizawa, c'est ça. Elle devait pas disputer le tournoi estival, à moins que ça soit déjà fini. Ah oui, comment dire? Makoto. Eh bien, en un an au lycée l'autre jour, il se trouve que j'ai entendu deux professeurs en discuter. Lors du tournoi, Yoshizawa n'a pas particulièrement brillé. Vraiment? Apparemment, de très nombreuses personnes attendaient beaucoup d'elle. Elle doit en baver là. Mais il reste encore un tournoi de gymnastique cette année, non? Ça doit être dur pour elle, mais c'est le résultat prochain, peu importe les ragots ici. Ça me rappelle autre chose. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé sur Mishima avant le début des vacances. Et? Il avait l'air en pétard. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a montré un site web secret sur notre lycée. Il raconte que le principal compte lâcher tout major qui n'améliore pas l'image de Sojiro. Attends une seconde. Personne n'a donné de nom et ça ressemble à une énième rumeur de plus. Mais peut-être qu'il parlait de Yoshizawa. Qui sait? Sinon, c'est quand le bluff? C'est vrai que depuis l'affaire Kamoshida, le lycée fait tout. En tout cas, le fait d'abandonner ses majors serait logique au vu d'un véritable échec du lycée. Je peux affirmer avec certitude que ça n'arrivera pas à Yoshizawa. Ils se reposent entièrement sur leur athlète et s'ils échouent, ils s'en débarrassent. Que ce soit vrai ou non, c'est un comportement de plus égoïste. Exactement, comme on le pensait. Ces sociétés est encore vachement merdique. On ignore si Yoshizawa conservera sa place dans l'équipe. Mais au moins, on peut s'efforcer d'éviter que les pires se produisent. Maintenant, on nous a parlé du sujet du level fantôme. Ah, c'est reparti. Les leurs fantômes ont choqué le monde entier en faisant taire un célèbre groupe de hackers. Leur popularité dépasse nos frontières. Les médias étrangers aussi les suivent de près. Beaucoup les qualifient de héros de l'ombre et de gentlemen cambrioleurs du nouvel ère. C'est complètement fou, le monde entier sait qu'on existe. Bien la chance qu'on t'entend pas, Morgana. Bon sang, j'en peux plus. Tout le monde ne parle que de ces voleurs fantômes. Qui sont-ils? Sont-ils vraiment des gentils? Je commence à en avoir mal au crâne. Donc en plus on devient célèbre, blablabla. Hop là. Morgana qui commence à tirer la tronche. Et pour ceux qui connaissent la suite, savent. Let's go. On n'a jamais pensé que la mort de la mère de Futaba puisse être liée à des incidents. On doit faire quelque chose, hein. T'as raison. Ce sale type a le même pouvoir que nous. Mais il préfère déclencher des ruptures psychiques. Qui pourrait bien l'hériter à part nous? Ça devient intéressant là. T'as l'air motivé. On a une nouvelle recrue. Il va falloir que je te montre de quoi je suis capable. Faut qu'on parle, descend. Descends. Eh, ça veut dire qu'on allait manger quelque part tous les trois. J'ai plus d'oseille en fait. Et évidemment. Futaba peut se sortir maintenant et les vacances d'été sont presque terminées, il faut qu'on fasse ça. Grâce à moi, on va aller manger des sushis. Oh putain. Depuis le confinement, j'ai pas mangé de sushis, putain, j'en peux plus. Je suis en manque, hein. Je pense que c'est pour ça que je m'énerve en ce moment en fait. C'est parce que j'ai pas ma dose de sushis et puis ça me déstabilise en fait. Pareil que c'est un super restaurant. Des sushis. Emmenez-moi. J'ai pas pu en manger la dernière fois. Ce chat ne s'arrête jamais de miauler, hein. Il veut venir avec nous. Ils laisseront jamais rentrer un chat. Je suis vraiment désolé. Ça me fait un peu de la peine quand même. J'imagine qu'on peut quand même lui en rapporter quelques-uns. C'est tellement gentil. Ah, je veux du thon gras, des œufs de saumon, de l'anguille et... Ah, tu vas t'en souvenir, hein. Tu pourrais peut-être le noter, non? C'est bon, Mariana, c'est bon. Alors, ça vous plaît? Doucement, Futaba quand même. On a des engloutir comme ça, personne va te les voler. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je t'ai dit là? Bois un peu de thé. Sushi et pizza, ouais. Hein? Les toilettes? Pardon. Elle n'arrête jamais cette petite. On sortait souvent dîner tous les trois avec sa mère à l'époque. Ça me rappelle des souvenirs. J'avais complètement oublié tout ça. Je crois que j'allais m'étouffer. C'est pas passé loin. Allez, c'est reparti. Quoi? T'as encore faim? Non, j'en peux plus, j'abandonne. Je vois ça. Ouais, je passe aux toilettes et je regarde l'addition. Ma mère et Sojiro m'avaient emmené manger des sushis pour fêter mon entrée au collège. C'était tellement bon. Aujourd'hui aussi, c'était bien. J'espère qu'on pourra revenir dans pas trop longtemps. Ouais, moi aussi, mais c'est un peu cher, quoi. On va remettre ça quand? J'aimerais bien que ma mère soit avec nous aujourd'hui. Je veux savoir ce qui est arrivé. Je pardonnerai jamais à celui qui a fait ça. J'espère que tu m'aideras. Oh putain. 120 000 yens, c'est une plaisanterie. On peut dire adieu au sushi emporté. C'est un peu cher, ouais. Vous êtes entrés. On ne pouvait plus attendre. Et ils sont où les sushis? Les sushis étaient rebonds, on a même terminé ceux du chat. Si c'est moi, ceux de Giroud. Oh putain, il va râler. Ah, c'est pour ça. Il y a un endroit dont je rêve encore plus que les sushis, t'as une petite idée? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Elle est quoi? C'est juste une devinette, t'es vraiment pas marrant. Je voudrais aller à Kabara. Ah, Akiba, ok. J'ai envie d'acheter un jeu, mais je pars d'y aller toute seule, je vais même accompagner. Ok. Ok, let's go. Akiba, let's go. C'est là qu'on est censé se retrouver? Elle est pas là? Essaye d'aller jeter un œil dans les parages. Vous êtes toute seule? D'où venez-vous? Eh, par ici. Vous êtes en fugue? Quel est le problème, jeune fille? C'est pas de la joie là, que comptes-tu faire? On va juste voir comment ça se passe et on interviendra si ça part en couille. C'est pas le moment, non, non, attends. Je vais donc vous demander de bien vouloir m'accompagner au poste pour le moment. Bon bah j'arrive quand même, parce que là ça part en couille. Qui êtes-vous? Bon bah tant pis. Je pensais qu'elle allait réussir cette épreuve, mais... Vous connaissez cette fille? Ouais, elle est de ma famille. Bon, comptez pas de salade au moins. Hein. Très bien. Futaba, tout va bien? Désolé, je pense avoir dépassé certaines de mes peurs, mais à la plage la fois dernière, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connaissais personne autour de moi, alors j'ai paniqué. J'ai cru que mon cœur allait exploser. J'ai tellement peur toute seule que je me suis ratatiné sur moi-même. Et puis les gens ont commencé à me dévisager et les policiers sont arrivés et j'ai totalement bugué. Écoute Futaba, si jamais t'as un problème, pense à appeler Keita. Ok. Je me sens plus apaisé près de toi, je peux rester à côté de toi. Hein. On va bouger là. T'as pas besoin de bouger. D'accord, très bien. J'ai même pas réussi à m'acheter un jeu toute seule, je suis tellement nul. Ok, nickel, Dodu, merci. Je me sens bien dehors, mais seulement si je suis avec Keita. Il serait ma clé des champs. Dis des champs. J'aimerais Keita soit ma clé des champs. Si tu acceptes, je ferai tout pour m'améliorer comme navigatrice du groupe. Ça me paraît bien. C'est bon, alors marché conclu. Ok. Nous avons été bluffés par le talent de leurs fantômes pour ce qui est de dénicher des infos. Nous savons aussi que pour ce faire, vous avez besoin d'un hacker chevronné. Qui jouait ce rôle? On peut lancer des sorts de soins ou de type Kaja en combat. Bon, Kaja c'est les buffs, tout ça. De bas à chercher FF7. Ah, arrêtez de me parler des FF7 Remake là. C'est déception, c'est même pas le mot qu'il faudrait pour décrire FF7 Remake quoi. Besoin acheter jeu, on dirait moi ça. T'es pas en pleine crise d'angoisse il y a 5 minutes? Ouais, mais maintenant j'ai ma clé des champs, la victoire m'appartient. Allez, on se bouge. Ah bon voilà, vous étiez où? On allait à Akiba. Quoi? Mais c'est incroyable Futaba. Un peu. J'espère que tu continueras comme ça. Tu pourrais peut-être même aller au lycée un de ces jours. Ouais. Bah c'est causé. J'imagine que cette confrontation avec le monde a dû t'épuiser, non? Allez, va te mettre au lit. Allez, on va rentrer. Regardez-moi cette cote de popularité plus de 60%. Wow. On va passer à la télé. Trial of Mana et Xenoblade, évidemment. Quoi. Pas de sushi, Futaba nous attrape partout. Et Sakura Tyson aussi. Qui sort en même temps que Trial of Mana, je crois. Les valeurs fantômes sont devenues incroyablement populaires. Des tas de gens ont commencé à fréquenter le forum. Je me suis demandé blablabla 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 blablabla. Ok. Donc on a bientôt rattrapé. Enfin, des sushis, je crois que je pourrais en rêver cette nuit. Je suis désolé Morgana, hein. C'était un peu cher. Un peu. Il a ouvert les yeux sur la dernière note. Tum, tum, tum. Écoute prisonnier, notre maître veut te parler. On dirait que tu as trouvé un nouvel allié. Il dispose d'un pouvoir plutôt singulier. Cela pourrait se révéler très utile dans votre mission. Et maintenant? T'inquiète pas. Tu te rapproches doucement de ton objectif. Niveau aucun rapport, mais je consens à augmenter le nombre de personas que tu peux utiliser. Tu vas pouvoir continuer ton aventure. Maîtrise tes pouvoirs, prépare-toi pour ce qui va arriver. J'attends beaucoup de toi. Hop là, rang 8 déjà. Allez, bim. À très bientôt. Parce qu'en fait, j'ai envie de jouer un peu, moi. Ça fait 1h15 déjà là. Hey, bonjour. Ah tiens, un uniforme. Ah oui, c'est la rentrée, hein. Bon courage alors. Futaba pas dit qu'elle va enfin adopter un rythme de vie normal. Un esprit sain dans un corps sain, il faudra bien que ça... faudra bien ça pour réussir nos missions. Vos missions? Également d'actualité aujourd'hui, revenons à ce fameux événement qui implique le groupe appelé les voleurs fantômes. Le Premier ministre a tenu une conférence de presse pour évoquer le problème. Le gouvernement confirme les rumeurs relatives au groupe baptisé les voleurs fantômes. Nous travaillons actuellement avec la police pour prendre les mesures nécessaires. Si même le Premier ministre se met à en parler, c'est normal, ils sont du côté de la justice. Ils provoquent des métanoïas, c'est ça? Je me demande si c'est vraiment possible. Cette fois, c'est sûr, on est connus dans tout le pays. Tu crois? Je trouve qu'on s'en sort vraiment bien. Tout ça, c'est grâce à mes précieux conseils. Il faut qu'on trouve rapidement des indices pour cette affaire. On doit bien ça à Futaba. Vous entendez bien tous les deux, non? Tu vas être en retard si tu traînes comme ça. Bon courage pour les cours. Attends, on a la moitié, je suis à 82 heures de jeu, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. Et ceux qui font... Bon, blablabla, on s'en fout. On s'en fout des autres. Ils ont tous des Xperia en téléphone, c'est marrant ça. C'est marrant quand c'est un jeu qui est sur une console Sony. C'est passé trop vite les vacances, ça tu m'étonnes. Les 4 jours qu'on a eu sont passés très vite aussi là. Deuxième trimestre a commencé. Franchement, je trouve que les vacances d'été sont beaucoup trop courtes. Ouais, c'est clair, putain. Ça donne toujours l'impression qu'elle s'arrête quand on commence à enfin profiter. C'est toujours comme ça. C'est toujours quand tu passes tes meilleurs moments de grandes vacances que la rentrée elle commence, quoi. C'est toujours pareil, quoi. C'est horrible. Très bien. On va commencer. Mais on va. Vous revenez à peine que vous repartez déjà en voyage scolaire lundi prochain. Ah ouais, c'est vrai. Quelle chance. Vous avez un mois de vacances et derrière on vous emmène à Hawaï. Compte sur vous pour bien vous comporter, d'accord? Ça sera tout pour aujourd'hui. Voyage scolaire. Ça va faire des vacances au voleur. Tu parles anglais, non? Ouais. C'est formidable. J'ai vu qu'à l'étranger, donc rien d'exceptionnel. Si jamais elle a du mal en anglais, tu pourras nous aider? Hein? Tout le monde de ma classe parle que des voleurs fantômes. C'est pareil pour vous? Peut-être ranger ce téléphone fantôme. En vrai, l'Xperia, c'est des trop bons téléphones. Hein. Et moi, comme un schlag, je me suis fait voler quand j'étais à Paris, donc voilà. André, Kawakami. Bon, let's go, on y va. On va ranger ce fantôme. C'est Douli. Désolé de te faire sortir de la classe, mais c'est au sujet des tuteurs de Takase. Donc Takase, c'était par rapport à son social link. Hein, c'était le gamin qu'elle avait mis sous sa tutelle. Pour les devoirs et tout ça. Je vais quitter mon mi-temps, même si j'en discute encore avec mon patron. Je vais tout faire pour devenir une professeure exceptionnelle, plus rien m'en empêchera. Merci de m'avoir été d'aussi bons conseils. Il me paraissait normal de t'en parler en premier. Madame Kawakami, vous avez de la visite. Monsieur et Madame Takase. Enfin, Takase, pardon. Faut que je parle mieux japonais, moi. Vous comptez nous faire attendre encore longtemps? Encore lui? Ouais, on est en train de parler, là, déjà. Donc, quelle grossièreté! Tel prof, tel élève, j'imagine. Manifestement, tu n'as pas la moindre forme d'éducation. Vous prenez pour qui à croire qu'il suffit d'appeler pour dire que vous refusez de payer? C'est la décision que j'ai prise en hommage à Takase. Je vais m'assurer qu'aucun élève ne subisse la même chose que lui et... Alors vous essayez de fuir votre responsabilité? Je parie que vous vous en fichez de Taiki. Vous enseignez encore? Peut-être devrions-nous vraiment poursuivre le conseil d'éducation. Ça vous irait? Une professeure responsable de la mort de son élève? Imaginez le scandale. Non, je fuis pas. Je compte au contraire m'occuper davantage de mes élèves. Vous allez en justice? Vous voulez aller en justice? Faites donc, je continuerai malgré tout enseignement. J'ai décidé que c'était le meilleur moyen que j'avais de me suicider envers Takase. Verser de l'argent n'est certainement pas la bonne solution. En plus des poursuites, je pourrais peut-être dévoiler votre petit secret. Vous savez, sur votre double vie de prostituée. Mais comment? Alors j'ai raison, hein? Quoi? Enfin, une simple enseignante ne pourrait jamais verser autant d'argent. Alors, où se trouve la salle des profs? Arrêtez, je vous en prie. Ah, une enseignante travailleuse du sexe. Cette fois, vous avez fait fort, là. Dommage que vous ayez cru pouvoir vous libérer de votre dette envers Taiki. Vous savez qu'il vous reste... ce qu'il vous reste à faire, je me trompe. Payez-nous. Et ne vous avisez plus jamais de nous appeler pour arrêter les versements. Et je vais les défoncer. Je vais les défoncer, genre vraiment, quoi. On dirait que je vais pas pouvoir démissionner tout de suite. Vous ne pouvez pas abandonner, là. Je sais. Que je suis censé faire. Les voleurs fantômes, aiderait-il quelqu'un comme moi? Non, c'est impossible. Kawakami a l'air au plus mal. Je dois faire quelque chose. J'en peux plus. Rappelez-moi leur nom, s'il vous plaît. Qui? Les Takase? Lui s'appelle Toshio et sa femme s'appelle Irumi. Comment l'oublier? Je leur verse de l'argent. Hein? Mais pourquoi au juste? T'as pas l'intention de faire quoi que ce soit, si? J'en prie, fais rien. Un prof de Shujin qui demande l'aide des voleurs fantômes. Désolé, j'étais si content de t'annoncer ma décision et voilà ce que ça donne. Laisse tomber, d'accord? Quand on y pense, je suis de retour à la case départ. On dirait que je pourrais jamais changer. Ouais. Donc on va commencer. Bon, elle m'a un peu grillé du coup, quoi. Elle m'a un peu grillé, quoi. Mais bon, ok. Ouais, évidemment, vous pensez bien que quand j'étais dans le Mementos, dans ma petite session privée, je les ai défoncés. Hein. D'ailleurs, je crois que je les ai même one-shot, je crois. Je crois que je les ai one-shot quasiment, je crois. Carrément. Je ne sais plus. En tout cas, ils ont bien pris, hein. Ils ont bien pris dans la gueule. Ah, vous êtes là. Futaba, t'es venue ici toute seule? Je suis passé la chercher comme j'ai fini les cours plus tôt. Tu pouvais éviter de me traiter comme une petite fille. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On cherche une prochaine grosse cible? C'est une option. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de ce type-là dans le monde psychique? Cette personne est bien réelle, ça fait aucun doute. En outre, elle provoque des ruptures psychiques. On ne peut pas fermer les yeux. Le truc, c'est qu'on n'a aucune piste. Pour moi, on est devenu super populaire. Tout le monde parle de nous à l'école, et on parle de nous sur toutes les chaînes de télé. On est carrément des stars, vous croyez pas? Ah, c'est vrai. Et le classement sur le site des fans a été pris en assaut. Tu parles de ça? Oh, sérieux? La première place n'arrête pas de changer. Faut dire que les gens votent sans arrêt. Si on s'occupe de ces types, je suis sûr qu'on empochera un bon pactole. Je ferais quoi si on gagnait une grosse somme d'argent, Keita? Bon, je mettrais tout de côté, moi. Et je rembourserais Tom Nook. J'ai jamais entendu parler d'un voleur qui ferait des économies. C'est pour ça que t'as pas ce problème, Futaba? Comme c'est lié à l'affaire de ta mère. J'ai plutôt hâte de lui refaire le portrait, ouais. Le responsable des ruptures psychiques, hein. En fait, on peut pas faire plus gros comme type, finalement. Si on parvient à lui faire subir une métaverse et obtenir des aveux, on sera les rois du monde. Et si on arrive, on pourrait peut-être dévoiler les entités. Les filles vont tomber. Attends un peu, tu veux qu'on abaisse nos masques? Ça serait envisageable. Je vois, si les coupables reconnaissent ces crimes, l'existence du métaverse sera rendue publique. On n'aurait plus aucune raison de se cacher. Vous savez très bien qu'on ne fait pas ça pour la gloire, arrêtez. Rester dans l'ombre, c'est l'essence même des voleurs fantômes. Si notre code de popularité, si on arrive à coincer ce type, ça va devenir compliqué là. On n'a vraiment aucune piste à propos de ces ruptures psychiques. Je crois me souvenir que la sœur de Makoto enquêtait sur l'affaire, non? N'est-ce pas, Makoto? Et je pourrais lui demander, mais elle s'énerverait sûrement avant de m'envoyer bouler. On peut probablement récupérer les infos sans rien lui demander. Est-ce qu'un ordinateur portable ou une tablette? Me dis pas que tu... Je peux mettre un petit programme sur une clé USB. Tu n'auras qu'à la connecter pour qu'elle récupère les données. Même pas besoin de mot de passe. Mais il faudra la connecter directement sur son portable. Tu penses que c'est possible? Ça lui arrive de rapporter son portable à la maison. Ouais. Et je ne sais pas si je suis capable de faire ça, moi. Est-ce que Futaba va encore faire un truc totalement dingue? T'as peur d'en apprendre trop sur ta sœur? Non, c'est pas ça, mais... Ok, je vais le faire. Quoi? Moi? Dans la presse à scandale? J'ai pourtant formellement interdit de parler de l'affaire impliquant Kamoshida. Ah, attendez, je vous prie. Donnez-moi un peu de temps. Je vais mettre la main sur les voleurs fantômes, j'en suis sûr. Sans votre aide, je n'aurais jamais réussi à en arriver là. S'il vous plaît, laissez-moi... C'est déjà la fin de l'été, c'est passé si vite. On a encore pour 6 mois, tiens-toi à carreau, hein. T'inquiète. Ce classement, c'est la folie. Blablabla. On pourra aller voir la boutique d'occasion. Parfois, ils ont peut-être des trucs sympas. Oui, donc c'était... je sais plus quoi, je crois que c'était pour réparer le PC ou je sais pas quoi. Bref, donc on est... Bah, c'est bientôt. C'est bientôt le chargement. Le chargement c'est maintenant, ah non c'est les changements c'est maintenant. Bon, c'est même pas maintenant en fait. J'ai rêvé que je tombais encore et j'ai encore gagné du courage. Mais lol quoi. Putain, mais c'est quoi ces cauchemars? Il fait des cauchemars toutes les nuits, il y a un problème hein. Ouais c'était le 3. C'est demain. Oh, t'as bronzé? Tu as l'air différent. Ah d'ailleurs, je tenais à te remercier pour le café de la dernière fois. C'est un endroit très charmant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi détendu. T'as beaucoup de travail? Non, pas particulièrement. Surtout ces derniers temps avec tous ces messages de haine que je reçois. En tout cas, on dirait que ton lycée a de gros ennuis. D'après les médias, l'école a tenté de dissimuler les agissements de son professeur de sport. Ces pauvres élèves, victimes des ambitions des adultes. Peu importe la raison, c'est impardonnable. N'hésite pas si tu as besoin de mon aide. Je ferai de mon mieux pour conclure l'affaire rapidement. Ce sont des élèves de Shujin, hein. J'ai lu un article, moi, ça part en couille au lycée, là, c'est un peu la merde. De toute façon, c'était sûr que ça allait s'entendre, hein, ça c'était obligé, quoi. Ça roule. Y'a Haru! T'as vu cette pub dans le train? Quelle pub? Les médias vont venir au lycée, tu pourrais faire semblant de t'intéresser quand même. Manigance au lycée Shujin. Où sont apparus les voleurs fantômes? Ah. Je me demande ce qui va arriver au principal là. Enfin, on a bien fait de viser des grosses cibles, tout le monde parle de nous. Et il parle plus fort, Ryuji encore. Désolé. Ah, c'est rien, tout va bien. Et voilà, c'était quelques secondes de screen time d'Haru. Cette fille là, elle était mignonne, tu trouves pas? Les voleurs fantômes sont super populaires, je me demande si j'ai mes chances avec elle. C'est quand même chiant de pouvoir dire à personne que je suis un voleur fantôme. Je sais pas combien de fois Ryuichi dit voleur fantôme dans le jeu, mais... Aussi madame, vous avez étouffé l'affaire. Non, c'est la première fois que j'entendais parler, moi. Je vous conseille d'éviter toute polémique, d'autant plus que c'est la police qui vous interroge. Pourquoi ça me tombe toujours dessus, moi? Tout le monde va encore m'appeler. Là, tu tombes bien. Je crois que t'es déjà au courant, c'est à propos du voyage scolaire. Tu sais que la police est revenue au lycée à cause d'incidents, non? Eh bien, plusieurs professeurs... Je m'entends même plus lire. J'ai dit lycée ou j'ai dit liqué? Dans ma tête, j'ai l'impression que j'avais lu liqué, je sais pas pourquoi. Je suis en train de perdre des points de QI, c'est énorme, déjà que j'en ai pas beaucoup à la base. C'est ce que j'ai cru comprendre. Les professeurs ont donc décidé de demander à des 3e années de nous remplacer. Désolé de t'imposer ça, Nijima. Non, compte sur toi. Quoi? C'est bien que certains élèves de 2e année sont un peu spéciaux. Je sais que je prépare déjà tes concours d'admission, mais je n'ai pas de soucis. Bon. T'inquiète pas, bien sûr, tu seras épaulé par d'autres élèves. Alors, vous pouvez compter sur moi. Vraiment? Tant mieux. Je vais annoncer la nouvelle aux autres professeurs. En fait, je lis sans lire depuis avant, en fait, parce que ça me fatigue. J'espère que tout se passera bien. La presse à scandale, en fait... Ah, la presse à scandale, en fait, c'est chou gras. Bon, blablabla, il paraît que l'école, nanana, professeur, nanana... On va zapper. Le semestre vient à peine de commencer, on s'est déjà plus donné de sa tête. Oui, c'est bon. Vous avez vu le nom d'Akechi vient d'apparaître dans le classement. C'est peut-être lié aux critiques. Blablabla. D'ailleurs, je crois que c'est là que j'avais pris le point charme. Même pas. Ah bah là, je l'ai pris en pleine tête. C'est marrant, je l'avais esquivé la dernière fois. Bizarre ça. Bah, c'est random alors. C'est juste random. Salut. Tu te rappelles notre marché? Je vais t'aider pour ton entraînement physique. Tu penses que tu pourras mettre ça en pause jusqu'à la semaine prochaine? Je vais faire un stage d'entraînement hors Japon, donc je serai absente un moment. Je vais à Hawaii aussi. Hein? Ah, c'est vrai, la deuxième sortie a aussi lieu la semaine prochaine. Quelle coïncidence, on part tous les deux à l'étranger en même temps. D'accord, alors l'entraînement est en pause jusqu'à qu'on soit tous les deux chez nous. Amuse-toi bien. Je vais pas parler aux autres de cette cible dans le Memento. Bon. Du coup, on va... Où que j'aille, les gens parlent de voleurs fantômes. On s'en fout. Donc c'était bien le 3, hein, pas que je me trompe. C'est ça qu'il y a le sel de Futaba. J'avais complètement zappé la dernière fois, je crois. Ouais, c'était le 3. Bon, du coup, on va passer la journée alors. Hop là. Du coup, ça a pris 1h30. Ça va, je pensais que ça aurait été plus long. Ah, c'est pas fini en fait. T'as l'air concentré. Je fais l'inventaire des preuves qu'on a mises au dépôt. C'est du boulot de stagiaire. J'ai vraiment pas le temps à perdre avec tout ça. Je veux pas que tout le bureau profite de ma mauvaise humeur, alors je fais ça ici. L'affaire des voleurs fantômes est complexe, je pourrais facilement consacrer tout mon temps libre. Les médias font tellement de bruit autour de tout ça que les gens se méfient. Je n'arrive même pas à faire parler de quelqu'un qui semble pourtant avoir des infos. J'essaie de lui mettre la pression, mais sans grand résultat. J'ai oublié, je pars en voyage scolaire la semaine prochaine. Les profs vont être auditionnés, donc ils m'ont demandé d'y aller pour encadrer les élèves. C'est très bien, ils seront redevables. Ça ira pour les révisions de tes examens? Ouais, bien sûr. Tu peux prendre la salle de bain, il faut que je révise. Ouais, je crois que je vais y aller, ouais. T'as même le fond d'écran, c'est le fond d'écran de Windows, quoi. Il faudrait que je change ma brosse à dents. J'en ai déjà acheté une, elle est sur l'étagère. Elle a déjà fini? C'est pas possible. En fait, j'ai pas tellement envie de prendre un bain. En fait... Quoi? J'ai acheté du pain moussant, il est sur l'étagère. Tu peux en mettre dans la baignoire? Ah, bien sûr. Ni vu ni connu. C'est bon. Ok, c'est bon, elle récupère les données, c'est cool. Et voilà. Pouh, 1h34. Eh ben. Makoto Gearsaline. Oh, pff, on s'en fout. Je crois que c'était ça, je crois, au hasard. Allez. Pff. Ok, c'est bon. Ah, putain, il était temps. Ah, putain, il y a ça aussi. Ça finit pas. Ça finit jamais. Ça y est, je crois que j'ai réussi. À moi de jouer maintenant. Ah, c'est quoi tout ça? C'est pas Hawaii? Comme on doit se mettre au vert, autant profiter à fond. Regarde-moi ça, une tortue mère géante carrément sur la plage. Rien à faire des tortues, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la cuisine. On ne trouve pas de steak aussi énorme au Japon. Et ce truc-là, là, le mahi-mahi, c'est une sorte de poisson, non? Je crois que c'est bon. On dirait que c'est la période. Nous aussi, on part en voyage scolaire. Ah ouais? Et vous allez où, vous? Los Angeles, je crois. C'est vraiment pas la meilleure destination pour toi. Je croyais que t'aurais préféré Nico ou Nada. Ça me va très bien, à l'origine le Japon importait des pigments minéraux naturels. Hawaï et Los Angeles, tu choisirais quoi toi? Hawaï direct. Mais quand même Los Angeles quoi, merde. Vous ne savez pas que j'ai le style gangsta d'un type de là-bas? Alors non. Qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais, c'est la plage. C'est quand même bien mieux. On n'a pas à se voir pendant un petit moment du coup. T'inquiète pas, on te ramènera un petit souvenir. Ah voilà, des infos plutôt intéressantes. J'ai pas encore regardé en détail, mais j'ai vu les mots perpétrés et connectés. Les ruptures psychiques ne sont pas dues au hasard, il y a bien un responsable. A priori, ça ne s'arrête pas aux ruptures psychiques. Les incidents frénétiques seraient connectés de la même affaire. Trop forte la sœur de Makoto. Il va falloir combien de temps pour analyser toutes les données? Ah, il y en a beaucoup, ça va prendre un peu de temps, je pense. Ça devrait être bon d'ici votre retour, vous avez intérêt à me rapporter des souvenirs. On prend pas tout, mais t'es génial, Futaba, comme d'habitude. Alors c'est ça ce qu'on appelle les gars de l'information. C'est tellement 2.0 qu'on dirait carrément un film. C'est rien du tout pour les voleurs fantômes, après tout, je peux me transformer en fourgonnette, moi. Pas sûr que tu gagnes à ce petit jeu-là. Répète un peu. C'est très bien comme tu es, Morgana, mignon comme tout. Mignon. Miss Anne, je... Continuera ces discussions quand on reviendra. Hein. J'espère que notre cours de popularité aura grimpé en flèche d'ici là. Sans déconner. N'oubliez pas de préparer vos affaires, nanana, nanana, et on peut charger la partie, c'est officiel. Il est temps. Donc système chargé. Et let's go. Ouf, eh ben. Eh ben, c'était fatigant. Bon allez, à votre avis, pour ceux qui n'étaient pas sur le live privé, combien j'ai d'argent sur moi? Évidemment, ceux qui le savent ne le disent pas, hein. C'est ridicule. J'attends un chiffre, parce que beaucoup... Alors 10 milliards peut-être pas, faut déconner. C'est très précis ça, Fake. C'est très précis. Un 1 268 000. C'était même très précis ça, Faik. C'était même vraiment très précis là. Bah bravo. Bon allez, Du coup, on va enchaîner avec Akechi. Est-ce que j'avais le bon persona? Je crois que oui. Ouais. Je crois qu'il y a pas mal de trucs intéressants, mais on va partir sur Akechi vu que c'est plutôt inédit. Même si évidemment, bah, on a du Ifumi et on a des Iwai et des trucs plutôt intéressants, mais... et des Kawakami aussi. Mais je crois qu'on va partir sur, sur Akechi. Bienvenue Akiyama, j'espère que ça ne dérange pas que je m'invite encore chez toi. Ok. Putain, j'ai bouffé avant, mais j'ai la dalle encore, ça casse les couilles. Oh, allez, on va au bain. On va au bain avec Akechi. Let's go. Dans ce cas, je suppose que je vais partir sur votre suggestion. Oui, c'est beaucoup de sourires. Ah, ça fait du bien, ça faisait longtemps. C'est relaxant. Ça me rend nostalgique. J'allais souvent dans ce genre d'endroit quand j'étais plus jeune. Là, tout va bien pour moi, mais à l'époque, ma situation familiale était compliquée. Mon père est parti quand j'étais tout petit. Je n'avais plus que ma mère. Elle travaillait dans une boîte de nuit. Quand elle ramenait un homme chez nous, elle m'envoyait au bain. T'as dû en endurer beaucoup. C'est dû passer, je n'ai aucune raison d'en vouloir à ma mère. Le seul vrai coupable, c'est mon père, cet homme indigne qui l'a abandonné. J'ai voulu l'obliger à s'excuser auprès d'elle, mais c'est pas possible. Pardon, je n'avais pas l'intention de m'embarquer dans ce sujet déprimant. Ça va? L'eau chaude peut donner des vertiges parfois. Je reste aussi longtemps que toi, hein, y a pas de problème. Reste longtemps dans l'eau, moi. T'es sûr que ça va aller? Ah, c'est rafraîchissant. C'est encore meilleur quand on sort juste du bain. La tête qui tourne un peu. Bon, ça va. Ah, tu joues les durs. Ton corps est tout rouge. C'est la première fois que je prends un bain comme ça. Je n'avais encore parlé de ma situation à personne. Je me demande pourquoi j'en ai parlé à toi. Je pense qu'on est pareil. Maintenant que tu le dis, je vois qu'au fond on est pareil, toi et moi. On était des victimes d'adultes dont le comportement a impacté négativement notre vie. Je peux me rhabiller? Toi, tu fais les choses à ton rythme. C'est l'une de mes plus grosses différences. Peut-être que tu as la force de ne pas t'encombrer du regard des autres et pour ça je t'envie. Hop là. J'ai l'impression que ma peau est brûlante. La prochaine fois, pas de compétition dans l'eau, hein. On réserve ça pour le billard. Quoique, on peut voir lequel de nous deux s'habille le plus vite. La première... Vous savez pourquoi il préfère le billard Akechi? Parce qu'on manie une queue des boules. Non, c'est bon, j'arrête. Désolé, c'est tout pour moi. Eh, hey, entre délicieux café et les bains, j'avais... Bon, blablabla, c'est vrai. Voilà, et voilà. Eh, tu vas souvent dans la salle d'arcade? J'ai pas mal pensé à un message du forum. J'ai cru comprendre qu'il y avait un joueur pas très fair play. Ah, on y arrive, on y arrive. Il paraît que c'est un tricheur régulier. Il ne joue qu'à Gun About, un jeu de tir en vogue. Ah ah, ok, on va aller voir ça, tiens. Tu pars en voyage scolaire mercredi prochain. On devrait peut-être profiter du temps qui nous reste. Le temps qui nous reste. Bon. Tu peux dégager du café, s'il te plaît? Dégage. J'aime pas quand les gens ils traînent ici. J'aime pas quand Sojiro se fait de l'argent. Bon. 8 boissons, exact. Exact. Bon. Alors, Qu'est-ce qu'on a de beau? Futaba, Taki... Oh putain. Je sens qu'il va y avoir un milliard de trucs. Ah, ça me fait chier de rater Futaba aussi, mais... En même temps, là, il faut vraiment que j'arrive à débloquer ce truc. Je vois juste mes requêtes. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal de trucs. Les vrais ne trichent pas. Il y a une rumeur concernant... Bon, ça, on va y aller. Ça, c'était... On peut faire des infos sur le tortionnaire de chat en travaillant à la supérette. Donc, il faudra qu'on y aille à la supérette. Mishima m'a dit que quelqu'un s'en prenait aux gens de Shibuya en quêtant au centre commercial souterrain. Donc ça, il fallait aller au fleuriste. Enfin, chez le fleuriste, si je me trompe pas. Et je viens parler d'un manager tir au flanc allant enquêter dans ce bar à Shinjuku. Donc en fait, en gros, il faut aller travailler partout. L'arcade à Kabara, je sais plus si c'était à Kabara, je crois que oui, mais je suis plus sûr en fait. Oui, c'est là, ouais. Ou pas. Cette salle d'arcade est vraiment pas géniale. Il y a peu de joueurs qui viennent pour le Gun About. Toi, tu viens pour Gun About? Je pense pas que t'as l'air d'y connaître grand chose. Non, je crois que c'était plutôt dans l'autre arcade. Je crois que c'est d'abord dans l'autre arcade. Et après il fallait aller dans le... Enfin, je sais plus. Ah c'est là. Il y a un type du Memento par ici que nous pouvons encore identifier. Une arme pour le jeu vidéo. Hein. Allez hop. Tu veux jouer à Gunabout? Je suis dessus là. Alors fiche-moi la paix. Alors t'as la monnaie? La machine ne veut pas prendre mon billet de 1000. On n'a pas de temps à perdre. Le tricheur est connecté, dépêche-toi. Laisse-moi jouer. Les gens ont trouvé son vrai nom sur le réseau social maintenant, ça arrache sévère. Je crois qu'il s'appelle Yoshikuni Nijima. Cet enfoiré est un mec de 40 ans au chômage. Je vais éclater ce tricheur et devenir un héros. Bon, on a son nom déjà, c'est ça. Bon, ça c'est fait. Je voudrais y retourner plus tard. Du coup, ça, on avait dit qu'il fallait travailler. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Bon. Je pense qu'on va aller voir Futaba. Futaba. Ermite. Est-ce que j'ai un ermite sur moi? Je ne crois pas. Pas du tout. Bon, on va choper ermite et puis on va aller voir Futaba du coup. Et je pense que le soir on ira... Merde, ça va. On ira bosser... Bon, on ira bosser là où c'est dispo. Je pense que du coup ça va être dans le bar quoi. Alors, donc on avait dit ermite, bizarrement, venant d'aller. Ok, j'ai plein de sous mais je suis radin, hein, vous me connaissez, voilà. C'est que ça, t'es déjà allé au père? Oui, mais j'y vais de temps en temps, mais en vrai ça sert strictement à rien. C'est... voilà. Ok, donc tac, je crois qu'elle est devant le café Leblanc. Ouais, salut Keita. Ah c'est vrai, bien, désolé pour ce qui s'est passé à Kabara, j'ai disjoncté. Futaba elle a vraiment déprimé, tu devrais peut-être leur monter le moral. Bah, ne cherche pas les trucs, bah, tu t'es bien débrouillé on va dire, elle va l'encourager, ouais t'as raison. Et puis j'ai quand même réussi à faire des achats après. Parce que t'étais là. Enfin bref. Tu peux aller dans ta chambre, j'ai des trucs à te dire. Let's go. Recanda. C'est sympa, Akebara. J'essaierai bien d'aller ailleurs, un de ces quatre. On dirait que Sojiro tient vraiment à ce que j'entends à l'école. Personne n'a remarqué le petit Jack Frost sur le... Ça va, je crois qu'il y a eu quelques spoils à un moment, mais... Dodu s'en est occupé. Mais les cours en ligne, c'est mieux pour étudier. Je n'ai même pas quitté la maison. Alors c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est pas ouf. Hein. Enfin c'est ce que les élèves font en ce moment et c'est pas ouf. Et ça résoudra pas ton problème, c'est clair. Ah, tu dois avoir raison. Étudier seul ou dans une vraie école, ça n'a rien à voir. École. La rue Alice. Je sais pas si t'es là, mais... Ah non. Pour être honnête, j'ai vraiment envie d'y retourner, mais... Tu m'en crois capable? Ils sont en travaillant ensemble, ouais. Ouais. Eh bien, je vais faire de mon mieux. Et je vais faire la liste des objectifs que je me fixe. Ma mère me faisait faire ça à longueur de temps. Elle notait tous mes objectifs du mois, comme faire le ménage ou des petites corvées pour elle. Et quand je terminais une, elle la rayait d'une grande croix. Ça c'est vraiment un truc de gamer hein, pour ceux qui font les achievements et tout. Hein. Genre c'est vraiment ça quoi. Elle ajoutait aussi toujours un commentaire, hein, c'était la meilleure partie. Ah, et quand la liste était bouclée, elle prenait sa journée pour passer du temps avec moi. Donc c'est décidé, je vais me faire une liste d'objectifs. Il est temps de mettre mes idées au clair. C'est fait. Alors voilà mes engagements. 1. Aller dans un endroit surpeuplé. S'habituer à la foule, c'est capital. 2. Aller à l'école. Je veux savoir à quoi ressemble la vie au lycée vu de l'intérieur. 3. Apprendre à connaître un peu ma génération. Je manque clairement d'infos. 4. Réussir à avoir une conversation normale avec un inconnu de mon âge. Qu'est-ce que t'en dis? Ça me paraît bien. Je vais pas me fixer de date limite pour ça. Je vais essayer de le faire à mon rythme. Cela dit, il faudra que tu m'aides. En retour, je travaillerai mon talent de navigatrice. Ok. Je peux cartographier un étage du Memento. Alors ça, c'est plutôt cool. Surtout moi, je passe beaucoup de temps là-bas, donc c'est parfait. En fait, si j'atteins tous mes objectifs, j'aurai le droit à une récompense. Je sais que c'est un peu bizarre, mais j'ai besoin de ça pour me motiver. C'est vraiment une gameuse. Hein. Le trophée platine! Le trophée platine! En tout cas, je picole. Bon, c'est vrai que je suis un peu crevé d'avoir fait toute cette liste, alors demain, je picolerai demain. Je vais d'abord rentrer chez elle. Bon. Ouais, c'est moi, merci d'avoir passé du temps avec moi. Cette histoire de liste, ça m'a rappelé le moment où j'avais commencé à écrire avec ma mère. Dis. Si je finis la liste d'objectifs et que je recommence à aller en cours, tu penses que Sojiro sera content? Bah oui, carrément. Ok, hein. Encore une autre raison de me donner du mal. Allez, go. Ah, je m'ennuie tellement, de quoi tu parles? C'est mon ordi qui travaille, j'ai plus rien à faire. Blablabla. C'est sympa de pouvoir... Ouais, j'avoue, t'as Morgana, le pauvre, il est en dépression, quoi. Bon. Putain, ouais, Yoshida, quoi. Je prendrai jamais le temps de bosser, en fait. Bon. Non, il faut que j'aille un soir où il n'y a rien, en fait. Le problème, c'est que... Oh, putain... Entre Ifumi et entre Yoshida qui pop aussi le soir. Peut-être qu'il y aura peut-être même rien l'après-midi en fait aussi. Non mais j'y pense. Ouais, on va aller voir Iwai. Yoshida. Bon Sahil, tu peux te calmer 2 secondes. Sinon je t'envoie à un endroit où tu pourras te tourner les pouces aussi. La pauvreté gagne du terrain. Blablabla. Bla 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 bla. Bon, on s'en fout comme d'hab, hein, celui-là je le zappe. Ok, c'est bon. Je vais me débarrasser de celui-là, ce serait cool. Bien sûr que je vois les commentaires. Bon alors du coup Futaba encore, putain. Ah, ils sont tous limités dans le temps en fait, c'est ça le problème quoi. Je sais pas s'il faut faire un truc pour le débloquer ou s'il faut juste attendre en fait. Parce que c'est comment je devais attendre parce que de toute façon c'était les vacances scolaires donc on pouvait pas le voir. C'est bizarre qu'on me le propose mais qu'il est quand même grisé en fait. Ou alors peut-être faut juste que j'attende. Peut-être, c'est bizarre. Il y a Futaba et Takemi. Ah, il faut que j'aille voir Futaba. En général, quand c'est gris, c'est soit j'ai pas les stats, soit c'est pas encore, ou soit j'ai pas fait la requête qui est liée quoi. Vous laissez NordVPN? Non, je déconne. Bon, on a encore un peu de temps, bordel, dans le Memento, donc c'est bon. Okidoki, que le nom à cette affaire d'objectif. Le problème, c'est d'aller dans un endroit super peuplé. J'ai encore dire super peuplé. J'ai un problème avec ça, moi. Surpeuplé. C'est un endroit parfait. Akiba, c'est la revanche de Futaba. Elle retourne là-bas. Est-ce qu'on de nouveau aller à Akiba? Sois prudente. D'accord. Tu as vu cette tablette tout à l'heure? Celui qui a dessiné ça, c'est un vrai pro. Mais pas aussi bon qu'Inari. Il a vraiment un regard particulier sur l'art. Qu'est-ce qui se passe? Offre ultra limitée au rayon PC. 3 téraoctets pour seulement... Mais c'est... ça veut rien dire 3 téraoctets quoi. Le genre t'achètes un PC parce qu'il a un gros disque dur quoi. Mayday, mayday, piégeux rayon électronique. Ici la guerre des 3 téraoctets fait rage. Il y a tellement de monde. J'ignore si je pourrais tenir beaucoup de temps. L'appel a été coupé. Je vais peut-être... On va la retrouver parce que... Ah! Te voilà. Ça va? Non, ça va pas du tout. J'avais genre super peur. J'avais peur de pas te revoir avant la fin des temps. Mais je pensais à toi en errant dans le magasin et d'un coup, un Keita sauvage apparaît. Ils ont fait la ref. Ils ont fait la ref. Content de te revoir. Alors tu es soulagé? Quelle coïncidence, moi aussi. Attends, je viens d'atteindre un de mes objectifs, aller dans un endroit surpeuplé. Alors j'assure ou quoi? Ça dit, c'est vrai que c'est grâce à la fameuse guerre des 3 téraoctets. Ah, et à toi. Alors moi, Futaba Sakura, je te remercie. Ok. Cela dit, c'est vrai que me retrouver solo dans ce donjon m'a bien fait peur. Je crois que j'ai peur quand je ne suis pas avec toi, Keita. Bon, je vais me donner un nouvel objectif, réussir à me sortir sans toi. Ce sera certainement une quête de niveau épique, mais un jour j'arriverai à l'accomplir. Je suis vanné. Allez, rentre. Salut, c'est moi, merci pour ton aide aujourd'hui. Je me suis occupé de l'objectif aller dans un endroit surpeuplé du premier coup, pas si mal. Je suis pas encore sûr de savoir comment passer l'objectif, savoir me débrouiller seul. Mais je vais finir super vite. Je veux dire, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Allez, go. Bon, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas grand chose à faire ce soir, que je puisse... Putain, maintenant il y a Sojiro maintenant. Ah bon, Sojiro ça va, j'ai un peu d'avance. Elle, bah bon, bon, je peux pas. Ok, bon, on va en profiter pour peut-être aller bosser là, faut pas déconner. Est-ce qu'il y a un mot croisé? Non, j'ai juste voir la plante.